Regardez, s'il vous plaît, regardez, c'est très important. Vous voyez cet homme-là, là, qui suit cette petite fille? Cette petite fille, elle s'est rendue compte. Donc, elle a décidé de le laisser rentrer. En fait, là, elle attend un moment. Lui, il va tourner, tourner, tourner. Puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là, là, se cacher. Elle pense qu'il est parti, donc elle monte. Hop, elle va s'apercevoir qu'il est là, elle accélère. Lui, il monte. Regardez. S'il vous plaît, les parents, écoutez bien. Cet homme-là, vous l'avez vu? Quand il est monté, parce que là c'est une vidéo en accéléré, il a ouvert sa braguette. Donc vous avez compris c'était quoi ses intentions envers cette petite fille-là. Cette petite fille-là, elle a eu l'intelligence de se dire, attends, c'est bizarre, si je rentre là tout de suite en même temps que cet homme-là, c'est peut-être dangereux pour moi, peut-être qu'elle a reçu de la prévention de ses parents. Mais combien d'enfants n'ont pas ces réflexes-là? D'accord? Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que hier j'ai vu deux petites filles. Deux petites filles, elles étaient vraiment. Je suis sûr que. La petite, déjà, elle avait moins de 6 ans et l'autre, elle avait moins de 10 ans. Elles marchaient toutes seules avec leur sac d'école. Vous savez qu'il y a des gens qui les recherchent. Il y a des gens, ils sont dans des réseaux très graves. Parce que même un rein, ceci, cela, et même des choses beaucoup plus graves, des gens, ils ne sont même pas dans des réseaux comme ce genre de personnes qui veulent juste assouvir des désirs très graves. Donc, s'il vous plaît, soyez intelligents. Prenez une nounou si vous travaillez. Et si vous n'êtes pas en capacité de prendre une nounou, il faut qu'un des deux parents. Ne travaillez pas, ou bref, en tout cas, organisez-vous. Parce que là, ce genre de choses-là, si ça touche vos enfants, à vie, ils vont être marqués. Et des fois, c'est encore pire, on ne les retrouve plus.